Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et évidemment que vous êtes aussi en bonne santé comme d'hab. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ce live. Vous voyez, je vous l'avais dit, sur ce live. Hello everyone, I hope you are okay and in a good health and I'm happy to see you for this news tape. And hola a todas, espero que estén bien en buena salud y estoy encantado de volver a verte en esta nueva etapa. Ah oui, alors oui, bah likez après Sabine si vous perdez le direct. Donc aujourd'hui, on est en direct de Montélimar avec toujours notre ami la fibre optique. On attend de trouver une solution pour la vigude. C'est moins pratique. Oups, je bouge, excusez-moi, mais c'est magique pour vous. Donc je vais peut-être voir s'il ne faut pas que je loue un petit bureau et là, ici. Bon dia, Dulce. Les actualités. Donc, on avance sur les custos qui seront prêts la semaine prochaine. Fin de semaine, début de semaine prochaine. Il y a Chloé qui les poste au fur et à mesure, juste pour vous donner envie. Et nous, on va vous mettre des petites photos là sur les converses, puisqu'elle était à la plage là lundi. Elle nous a fait des photos sympas. Et Karim, tu peux. Ah non, tu as besoin de la souris, donc je vais le dire en anglais et en espagnol et tu ouais. Prendras la main. The news today, we are working on all the custo collection, which will be ready next week. And Chloe will post them as you got just to make your want to. Y las actualidades, estamos trabajando en todos los custos, la colección de customización, que estarán listos la semana próxima. Y Chloe los publicará sobre la marcha solo para que querías. Allez, on y va, Karim, je te laisse mettre les petites photos. Donc, on a trois paires de converse. Tenemos tres modelos. We have three models. Alors, on a cette petite paire, je n'ai plus le nom, mais on est sur des couleurs qui sont super sympas, des rouges un peu framboises avec des violets un peu bleus. Donc, dans les... Pardon? Oui. Et donc, je vais vous expliquer à la fin comment les kits se présentent, en tout cas comment on customise. La deuxième paire, moi je l'adore. Alors on tient compte hein, des renforts qui sont sur les converses. Alors là on a les petites fleurs sur notre jolie planète d'un côté, puis la petite couronne de l'autre côté. Tu l'as mise celle-ci qui arrive après, non ah non, oui, c'est moi qui. Et donc bah, celle-ci on les a mises sur un petit fond de pelouse. This is the second one, c'est le secondo modello, très patriote, bah oui, c'est pour ça que je l'ai appelé French Touch la première, et la troisième paire, Karim, tu peux y aller, moi j'aurais rêvé d'y être au bord de la mer, voilà, c'est une paire dans des tons un peu bleus et turquoise, et tout ça, ce sera en ligne la semaine prochaine. Alors il faudra un dé à coudre, hein, parce que je ne vous cache pas que ce n'est pas... ce qu'il y a de plus agréable à broder, mais le rendu est tellement sympa que voilà, c'est chouette. Hein. Voilà, lovely. Vamos, wow, magnifica. Tu mets les trois, tu crois? Allez, mais on se dépêche parce qu'on va passer à la suite après. Il nous fait du montage en direct. Si, si, c'est pas simple, Nadine, mais ça passe. L'aiguille est plus grosse. En el kit, el agulla es más gordo. Et il faut un dé hein, parce que sinon vous allez vous abîmer un peu le bout des doigts et moi j'en ai brodé un peu tous les soirs quoi, pour pas avoir tout à faire d'un seul coup. Voilà, quasi à temps pour le live. Hello Anne-Laure, vous avez bossé de nuit encore aujourd'hui. Anne-Laure, elle est infirmière. Allez, on passe à la suite mi amor. Donc on revient à notre petit SAL. Je voulais vous féliciter pour vos propositions et votre travail pour l'étape 4. Vous carburez, hein, ça va vite, hein, je vois bien. Let's speak about the new the SAL. I want to congratulate you on your suggestion and your works for the step 4 of the haberdashery pouch. Hablamos ahora del SAL y quería felicitarlo por sus sugerencias y su trabajo de la etapa 4 del bolsito de mercería.
Mais on n'est pas en retard, Elisabeth, on prend notre temps aujourd'hui. Oh, le live de lundi, c'était de la folie. On est resté 2 heures, moi, il ne faut plus que je fasse ça. J'étais cuite après, derrière. Donc, on va essayer de les raccourcir un peu. Les vidéos sont interrompues. Ben non, elles ne le sont pas. On a une très bonne connexion, Sylviane. Donc, vous avez peut-être un petit souci, vous, de connexion. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous dire pour les nouvelles qui intègrent ce groupe? Si vous souhaitez broder cet ouvrage avec nous, donc vous pouvez acheter soit la toile imprimée, soit le kit complet, soit la fiche PDF. For the new one, which find us on this group, if you you can choose the complete kit or only the printed fabric or the third option, the PDF, on our website. Un petit bonjour à tout le monde, à toutes celles qui arrivent. Y para las novedades que nos encuentran en este grupo, si desea abordar este labor con nosotros, puedes comprar en la página web el kit completo, la tela impresa sola o las explicaciones con el PDF. Je vous rappelle que toutes les vidéos resteront sur le groupe de la page Facebook qui est sur notre chaîne YouTube. I remind you that all videos will keep on the Facebook page and the YouTube channel. And les recuerdo que todos los videos permanecerán en el grupo de la página de Facebook y así como nuestro canal de YouTube. Alors aujourd'hui, on a pas mal de points à voir. Il y en a cinq, et puis on verra peut-être la roue festonnée parce qu'on avait vu que la demi-roue festonnée. Encore une fois, je ne vais pas broder la totalité, hein, on n'a pas le temps, je vous laisserai bosser à la maison. And we have many stitches in this step 5, new stitch. And of course, I could not embroider all the lines, so you will finish them at your home for the next live. And tenemos muchos puntos, cinco puntos nuevos. Y por supuesto, no puede bordar todas las líneas, pero los terminaré a tu casa por el próximo live. Voilà, on prépare. Ah, j'avais pris ma petite mallette pour vous montrer. Vous savez, on vend des petites. J'ai pas prévenu l'équipe, mais ah, on n'a pas le fond, mi amor, l'appareil photo. On va attendre un petit peu. Il y a l'appareil photo qui s'est bloqué. On a des petites valises sur notre site internet, hein, et puis ben moi, des fois, je mets mes accessoires dessus, donc ça arrive. Elle est là, la petite. J'ai l'impression que nous avons comme si les commentaires étaient figés. Ah, visiblement, moi, je ne vois plus vos commentaires. Donc, Karim va voir ce qu'il peut faire. C'est dommage. Bon, ben, je vous montre en attendant. J'espère que je vais pouvoir revoir vos commentaires. Sinon, j'ouvrirai mon Facebook peut-être pour les voir. Oui, ça s'est arrêté, nous, avec Olga. Je ne sais pas pourquoi. C'est Facebook, c'est un peu casse-pied. J'ai peut-être regardé sur mon téléphone vite fait. Si je peux vous avoir, comme ça, je regarderai les commentaires en direct. Je vous demande un instant. We have some problem of connection and I can see the comments. Pas un problème de connexion, un No problème de connection, comment. but the comments. Je me mets sur la page. Excusez-moi, ça va prendre 2 minutes. Comme s'il ne rafraîchissait pas. Voilà, pochette, mercerie. Comment je vais faire pour voir vos commentaires? Top, hop, il faut que je coupe le son. Voilà. Alors, je les ai pas. Karim, tu pourras regarder sur mon téléphone. Hop, excusez-moi. Je vois pas les commentaires non plus. Je vais peut-être faire Allez. ceci. On va, c'est pas grave, on va avancer. Pour l'instant, je n'ai pas vos commentaires. Hein. Donc, vous allez, je vais ouvrir ma petite mallette au trésor. Donc, vous allez avoir besoin donc, de votre cercle de 10 cm. Necesitamos el bastidor de 10 cm. We need to have the hoop of 10 cm. Vous allez avoir besoin de vos ciseaux, J'ai les de. commentaires, hein, par les yeux. Tu les as? Ouais. Votre pincushion, tu me le mettras sur mon téléphone peut-être aussi. Et puis notre petit trifil. Voilà, so take just your accessories.
Prends un risque. Je vais. Et aujourd'hui, nous allons démarrer l'étape. Ça y est, moi, je suis perdue. Je voulais montrer un kit. Je vais prendre le temps. Excusez-moi, là, c'est un peu le bazar. C'est pas grave. Je voulais vous montrer pour les débutantes avant de commencer. Ces deux petits kits qui sont les cahiers de broderie. Those are kits just for the beginner. C'est nos deux petits cahiers de broderie. Son los cuadernos de puntos por los novedades. Voyez, avec les petits points de chaînette. Alors, on a le petit cahier hyper basique ici et classique, avec des points qui sont ultra accessibles. Un modelo muy accessible. This is a very simple notebook. Voilà. Et puis, le petit modèle, notre petit cahier de broderie ici, qui est le petit frère de l'autre, du grand, où vous avez les mêmes points hein, quasiment, mais avec plus de travail, puisqu'à chaque fois, vous avez une nouvelle page. Es el pequeño hermoso del grande cuaderno. Y tenemos los mismos puntos que este, pero en cada página tenemos una plaza para aprender y practicar. Voilà. And this is the same stitch of this one. But in the big one, in this one, you have a place to repeat the stitches. Voilà, et donc je voulais vous montrer comment sont composés ces kits hein, avant de commencer. Donc, dans tous nos kits, vous avez à chaque fois les explications en français et en anglais. You have all explanations in French and English. With all stitches step by step, hein. Vous avez les pas à pas à chaque fois. Et puis ben, la toile imprimée avec les fils, les aiguilles et tout pour faire l'ouvrage. You have everything inside the kit to make it. Alors, j'ai toujours pas vos commentaires. Hein. Karim est en train de regarder ce qu'il peut faire. C'est casse-pied. Hein. Moi, à chaque fois, c'est compliqué. Et pourtant, Écoute, on je a tout ce crois que qu'il j'ai faut. réussi à vous les redonner. Ça marche top, ouais? Ça y est, je vous ai retrouvé les filles. Ouais, je vous ai retrouvé, c'est cool. Oh ben ouais, parce que moi sans vous, là, c'est moins rigolo, hein. Sylvie, vous avez créé l'album, c'est top. Allez, on va commencer du coup. Ça a été un peu rapide cette présentation, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui. Tu peux peut-être éventuellement remontrer la petite balisette parce que lorsque tu présentais la petite balisette, Ah, tu ça. m'avais pas laissé faire la transition en fait, Ok, donc j'avais pas la la parole. voilà ma petite valise Avec avec mes excuses. une petite poignée en cuir. Voilà, c'est ce qu'a dit Anna. Voilà, pardon, c'est la petite, c'est le petit modèle. Il y en a des plus grandes. J'en ai une autre là. Là, c'est mon, celle-ci, c'est pour mon modèle de. Enfin, je les change en fonction des modèles que j'ai. Hein. Les valises sont sur le site. Oui, Nadine, elles sont sur le site dans la rubrique accessoires. Et même pour mettre des petits cadeaux, offrir des petits trucs à des gamines, c'est super sympa. Enfin, moi, je m'en sers, vous voyez, pour trimballer mon bazar aussi. Et voilà. Ça peut faire boîte à goûter aussi. Oh ouais, boîte à goûter pour Karim. Alors aujourd'hui, on va voir l'étape numéro 5, la étape 5. Ahora, the step 5. Bon dia, Alejandra. Isabelle, super Karim a encore été au top, bah ouais, il assure. Et puis on a aussi ce petit carré qui est là pour l'étape 5. Hein. So we have two parts for this tape and tenemos dos partes por este live. Je pense juste une petite information. J'ai l'impression qu'Odile nous quitte. Je n'ai pas Ouais. très bien suivi, mais Ah Odile, vous avez un petit je souci? crois. Je Bon, crois. bah prenez soin de vous, Odile, ou alors vous avez peut-être juste un petit rencard. Hein. Annie, merci pour la traduction, c'est super sympa. Annie, il faut que vous m'appeliez, j'ai besoin de vous avoir au téléphone et j'arrive pas à trouver le temps. On passe nos petits messages perso. Allez, on y va les filles, on attaque. Aujourd'hui. Le kit, bah, pour celles qui ont le kit PDF, etc., vous connaissez maintenant. On est sur l'étape 5. Aujourd'hui, la étape 5, the step 5. On va voir le point de corail.
Le point d'araignée surjeté, le point de croix et le point avant surjeté avec, j'espère, si on a le temps, une petite révision du un rendez-vous pour Odile, mais chut, ok. Et la roue festonnée, je crois. Bandilla Vorana. Ah ben voyez, Annie, vous les avez, les valises, et elles servent, hein, c'est sympa. Alors, on va attaquer tout de suite avec le point de corail qui est ici. Vamos a empezar con el punto de corral por aquí. El color 317, la couleur 317, the color 317. Vous avez donc, mais je crois qu'il n'y a pas trop de débutants sur celui-ci, hein. Est-ce qu'on peut faire... Ah ben, on le voit, votre commentaire, Véronique. Est-ce qu'on peut faire tous les points en fil perlé? Je voudrais faire tout en rouge. Ben oui, par contre, ça va être un peu épais, mais vous pouvez essayer. Et vous nous enverrez des petites vidéos. Hola, Nuria de Barcelone. Donc, 317, c'est cette couleur ici. Attendez, je vais remonter un petit peu pour voir plus clair. Voilà, hein, c'est le bleu un petit peu gris. Et vous allez enfiler un fil. Ça tombe bien, j'ai pas préparé mon aiguille. Alors, je vais travailler avec vous. On prend un fil double, hein, un fil que vous allez plier en deux. Donc, sur la toile, vous allez placer votre cercle ici. You place the hoop just over there because we are going to embroider this line. Vamos a bordar esta línea con un hilo doble. Le son est très bas aujourd'hui, le mien est à fond. Ok, on va regarder. Le tissu blanc est épais, je trouve. Non, il n'est pas plus épais. C'est exactement la même qualité, Sylvie. Donc, vous prenez un fil. You take just one thread. Solamente un hilo. Doble. Vous pliez votre fil en deux parties. Ah ben, celle-ci, elle ne va pas, ouais. J'ai remonté un petit peu le son, hein. Voilà, on a remonté un petit peu le son. Il faut juste éviter de crier pour pas saturer. Alors, il ne faut pas que je crie. Je ne peux pas faire qu'est-ce que je veux. Hein. S'il vous plaît. Je vais essayer de parler doucement. You pass the two extremities in the needle. And pour le moins, le son est OK. OK. Ouais, Pascal, le 8, c'est épais, hein, mais ça va dépendre des points. Vous pourriez faire les points de palestrina avec du perlé. Mais je crains que de tout faire, ça risque de ne pas être top. Alors, le point de corail, il s'exécute de droite à gauche. It's work from right to left and se trabaja de derecha a izquierda. Donc, je vais placer cette petite partie, comme je vais travailler de la droite vers la gauche, je mets ma petite partie métallique sur le haut pour pas que ça me dérange. So you just put this part on the top of the work and vamos a placer esta parte del bastidor por oh, j'y arrive plus arriba. Aquí. Alors, vous allez sortir votre aiguille ici. On va faire un zoom. Hein. Tu peux faire un peu de netteté, Karim, stop. On se sent moins seul devant le même problème. C'était le son Toupens Hoffman. Et oui, pour les gauchères, de gauche à droite. Ah bah ouais, je ne vous le précise pas hein, parce que j'ai du mal. Les gauchères, vous regardez en face. Donc moi, il va falloir que je me mette ici pour broder. Alors, vous sortez votre aiguille. You bring the thread to the front. Sacar el hilo. Vous piquez juste à côté pour bloquer. You go down just close to the thread. Attention, t'es sorti du carré. Hop, 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 là, ça y est. Super. Et vous bloquez votre fil. OK. Alors, vous allez sortir
votre aiguille ici. Vous placez le fil sur la ligne vers la gauche. Donc, le contraire pour les gauchères. Tu m'indiques si je sors de la ligne, hein, Karim. Oui. Et vous le tenez avec le pouce gauche. So, you place the thread on the line to the right side. Then, hold it with the left thumb. And coloque el hilo en la línea por la izquierda. Y luego, tener con el pulgo izquierdo. Je vous quitte vidéo et son interrompu. Bah, c'est pas nous, ouais. Pourtant, ça va bien, nous, là. Hein. Ah oui. Alors, vous allez faire un petit point. Il y a plein de problèmes de connexion en ce moment partout. Hein. Vous allez faire un petit point vertical perpendiculaire à la ligne. You make a small vertical stitch perpendicular to the line and hacer un pequeño punto vertical perpendicular a la linea. La pointe de l'aiguille passe, regardez, au-dessus du fil. Ok? The tip of the needle passes over the thread. La punta de la aguja, aguja pasa por encima del hilo. En mettant un petit peu à droite. Comme ça. Vous allez tirer le fil vers le haut. You pull the thread up to make a knot. Alors, mes fils n'étaient pas très réguliers. Oh, je brode loin, moi. Hein. Voilà. Y tirar el hilo hacia arriba para hacer uno. La difficulté, ça va être de faire des points avec des distances régulières, d'avoir un intervalle régulier entre chaque point. Donc, si vous avez du mal, vous pouvez utiliser un petit stylo friction. You need to have the same distance between the stitches. Alors, vous pouvez les faire plus ou moins espacés. Lo que es importante es la distancia igual d'entre los puntos. Framboise, Tarn, l'image, elle n'est pas bloquée chez nous. Hein. Vous devez avoir des problèmes de connexion. Hop, il faut que je remonte. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Et vous avancez comme ça. Oups, en tirant vers le haut. So you continue. And pull the thread up to make a knot. Alors, vous pourriez les faire beaucoup plus serrés, hein, si vous avez envie. Hein. Elvia nous dit qu'elle n'a qu'un lien PDF. Bah non, il y a... C'est en espagnol. Si, Elvia, hola, me indica el link para PDF. Puedes... buscar el link en la página web en la sección SAL, accesorios. Est-ce qu'il faut les faire loin ou serrés? C'est comme vous voulez, Angelina. Regardez, je vais vous montrer. Si vous les faites plus serrés, puis vous pouvez les faire aussi plus ou moins larges. Alors, ça ne va pas être joli, moi, parce que je suis en train de changer. Mais vous pouvez les faire soit plus espacés. Voyez, là, j'ai à peu près 2 mm. Là, j'ai entre 3 et 4 mm. Voilà. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'au bout. Alors, moi, je suis loin de mon ouvrage. J'ai du mal à voir, là. Tu peux te décaler sur ton ouvrage ou pas? En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que ta chaise est bloquée. Ma chaise, elle est bloquée. Attends, hop, là, excusez-moi. Je vais essayer de bouger pour avoir... Là, sinon, je vais avoir trop mal au dos. Et là, vous me voyez? Ouais, ok. Puis là, je vais être plus près. Ok. Bah, du coup, ils ne sont pas beaux, mes points. Mais ce n'est pas grave. Vous avez compris la technique. J'étais trop loin. Tengo un problema de posición para abordar y no puedo ver exactamente donde me voy. Ok, vous avez compris, du coup? Est-ce que ça va?
Ok, merci. Se pueden hacer más juntos si desea. Oui, Annie, c'est ça. Et vous continuez. Et lorsque vous arrivez à la fin de la ligne, qu'est-ce qu'il y a, Karine? Je déplace un peu mon cercle. Oh, ils ne sont pas réguliers, je vous prie de m'excuser. Vraiment, j'étais pas bien en face de ma toile. À la fin, vous piquez et vous arrêtez votre fil. Sur le bien de santé, tu bon. Vous passez sous les points. Donc, vous continuez en espacant les nœuds comme vous le souhaitez. Hein? You continue like this, spacing the knot as you prefer. And continuar así, espaciando los nudos como quieres. Voilà. Donc, si on regarde la petite pochette, d'ailleurs, ils sont plus jolis, évidemment. Vous avez donc la première ligne ici. Puis, la seconde ligne ici. Tenemos dos líneas. You have two. Comment est-ce qu'on dit ligne? Je ne l'ai pas en anglais. Line. You have two lines with this stitch. OK? Voilà, ça c'est pour le premier point. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le point d'araignée ici. Now we are going to make this stitch, the spider web and el punto de araña. And in English, it's also the wide circle. Allez, tu changes le point de, s'il te plaît. Heureuse de broder l'arbre de vie est magnifique offert par mes filles. Elles sont cool, Nicole, vos filles. Votre morceau de tissu est du tissu car moi j'ai du molleton. Alors là, je vous laisse. Vous deviez certainement parler entre vous. Alors, on y va pour le point d'araignée. Vous allez prendre votre fiche technique qui est ici. Le point d'araignée, c'est le A. Point d'araignée, deux filets crus, dos hilos crudos. You need to have two threads écrus. Ah, vous savez les faire, hein, je crois maintenant. On en a fait la semaine, en début de semaine? Non, c'était le point d'araignée surjeté, je crois qu'on a fait. Oh, je suis perdue, moi, avec tous ces lives. OK. Alors, on va changer la position du cercle. You change the place of the hoop. Vamos a cambiar la position. Donc, avec ce point, c'est un point qui va vous permettre de remplir des cercles. This is a stitch which allows you to fill the circle. And este es un punto que te permitirá de completar los círculos. Il y a les deux. Je vous laisse répondre là. Je n'ai pas les infos. Allez, on y va. Alors, vous allez sortir l'aiguille sur l'extérieur du cercle. On va avoir un petit peu de netteté. Bien sur l'extérieur du cercle, hein. Alors, vous allez avoir besoin d'un nombre, vous allez avoir besoin d'un nombre impair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si On tu en... peux monter un petit peu pour les pochettes. Hop, ici, c'est bon? Ouais, ça c'est bien. On en a 9, hein. To embroider, you need an odd number of straight stitches. And para bordarlo, necesita un número impar de puntadas. Y aquí tenemos nueve puntos. Alors, je sors un fil double, toujours. Ah, je vois que Anne a pris le relais de Odile. Vous êtes au top, les filles, c'est cool. Alors, je pique, go down in the center and emerge for the next one. Avec de la tension, you pull strongly.
Pinchar en el centro, salir en el otro punto y tirar fuerte. Et n'oubliez pas de liker, hein? Attention, hein? Don't forget to like. We need to have your like in our post. Sinon, je chante hein, tout le monde. Sinon, Karim, il va chanter tout le temps, il a dit. Tu veux un nombre de likes pour chanter, c'est ça? Il n'y a pas de likes, je chante. Mais tu chantes bien. Je vais être déçu. Por favor, necesitamos like en esta etapa. Allez, on continue. C'est bon pour tout le monde? Chiche, chiche quoi, Anne? Qui chante ou qui chante pas? Allez, moi, c'est vous qui mettez les règles. Sylvie, vous nous dites. On va rire. Alors, vous allez maintenant sortir au plus près du centre entre deux points lancés. Hein? You pass, you bring to the front between two straight stitches. You just made it as close as possible to the center. And salir los más cerca posible del centro entre dos puntos. Qu'il chante. Ben ouais. Allez, une petite chanson. Combien de likes pour la petite chanson? Il y a combien de likes là? On va perdre tout le monde. Avec la guitare. Il l'a prise la guitare. Je la vois là. Je ne sais pas s'il a l'intention de jouer. Alors, on y va. Vous allez passer maintenant l'aiguille sur un point et sous le suivant jusqu'à ce que le cercle soit rempli. You pass the needle over one stitch and under the next one until the circle is filled. Et c'est pas ça la aguja. Por encima del punto y por debajo del siguiente hasta llenar el círculo. Allez, on y va, on tourne. J'adore ce point d'araignée. Ah, attention, les gauchères ont plus. Elle voit plus les gauchères? Ouais, c'est... Pardon, les gauchères. Alors, moi, je travaille de droite à gauche. Vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Si vous préférez travailler dans l'autre sens, vous pouvez. Trabajo de la izquierda por la derecha, pero puedes hacer el contrario. And... Et avec la gauche, on te voit les deux gauchères. Voilà. You can work from the right to the left or the left to the right. It's the same. Karim, une chanson. Une chanson, alors guitare, sans guitare, d'amour. J'ai la voix enrouée aujourd'hui. Il faut lui mettre un défi, hein, parce que sinon, il ne va pas le faire. Hein. Oh, pas aujourd'hui. Il est trop fatigué. Il est fatigué. Allez, ouf, on court en ce moment hein, pour tout sortir et que tout soit prêt, c'est chaud les marrons. Digo solamente que tenemos mucho, mucho trabajo ahora. Y estamos un poquito cansado. Allez, et vous tournez comme ça jusqu'à la fin. C'est quoi les commentaires? Bah, au moins un petit bout de guitare, il apprend la guitare. On me dit qu'il pleut déjà, c'est pas grave. Ouais. Si quieres una canción de Karim. Oh non. Hein. Non. Puedes preguntar. Avec deux, trois paroles. Merci, allez, Karim. Super, la guitare, elle est là. Alors, est-ce que ça fait joli un point d'araignée surjeté avec quatre branches? Ben, c'est pas beaucoup, ça dépend de la taille de votre...
Ouais, ça dépend de la taille de votre cercle. Il faut essayer. Vous avez des drôles de questions des fois. Allez, Mamour. Non, Malika, c'est pas Mamour, c'est Namour. On se moque de nous à chaque fois. J'avais pas vu que vous étiez là. Le son de la guitare, allez! Il veut pas bouger de sa chaise. Je travaille. On ne chante pas la bouche pleine de nougat. Ah, ben voilà quelqu'un qui me comprend. Mon mari apprend aussi la guitare. Je fais que réclamer la guitare, c'est vrai, Corinne, sans arrêt. Allez, sors là. Regarde, j'ai pas besoin de toi là, je me centre. Censé complètement en fait. Non, je vois bien. Allez, vous allez tourner, vous allez continuer comme ça. Je ne vais pas avoir le temps de tout faire, hein, mais. Vous avez compris, c'est tout bon? Hop! Alors, j'ai vu que vous étiez à la fois en train de broder cette étape-là, la roulotte en même temps. Attention de remonter un peu. Ouais, vous arrivez à trouver le temps. En même temps, les étapes, elles ne sont pas trop grandes. Faut lui promettre un 4 heures. J'ai rien amené aujourd'hui. Ok, allez, on continue un petit peu. Alors, le but, c'est de couvrir tous les petits fils, hein. Et en fait, comme vous avez un nombre impair, chaque tour est différent. Quand vous êtes dessous un point, le tour d'après, bah, vous êtes au-dessus. Vous tirez donc pas trop fort jusqu'à ce qu'on ne voit plus les petits points. Voyez là, ça commence à être un peu dur de passer. Voilà. Et on arrête. Vous piquez et vous bloquez. Bon pomeriggio dalla Sicilia. Comment est-ce qu'on dit bonjour en italien? J'ai oublié. Bonjour. Buongiorno Maria. Pour notre grand rassemblement, ils nous feront un concert, les mecs. Oh ouais, cool. On nous a posé une question par rapport au cactus que tu avais montré l'année dernière. La question, c'est quand est-ce que tu le sors? Ça y est, ils sont en train là. On sort les patchs custo d'abord. Tahiti, Bora Bora. Oh, Tahiti, Bora Bora. Ils vont sortir d'ici un petit mois. Alors, je ne fais que la roulotte, pas le temps pour la pochette, mais j'aime suivre les lives quand je peux. Ben ouais, vous avez bien. C'est Anne-Laure. Hein, ouais, je sais que vous courez, Anne-Laure. Buongiorno. Alors, on y va? On a fini notre petit point d'araignée. Ahora tenemos dos puntos de araña, celui-ci. Puis vous avez vu, vous avez après un petit point de chaînette. Donc vous faites vos points d'araignée d'abord, puis ensuite le point de chaînette. You need to make the spider web first and the chain stitch and the outline. En español, necesitamos de hacer el punto de araña primero y después el punto de cadeneta en el contorno. On n'a rien le temps, Malika, de visiter pour l'instant, mais j'espère que un de ces quatre, on va le faire. Ouais. Donc pour le SAL de la roulotte, c'est différent. Le point d'araignée, non pas du tout. Ah, Catherine, le point d'araignée surjeté qu'on a vu lundi, c'est pas le point d'araignée, c'est celui qu'on va voir maintenant. Regardez, il est là. Maintenant, nous allons faire un point d'araignée surjeté avec un changement de couleur. So now we are going to see the wiped stitch with the two colors and vamos a ver el punto de araña rebatido con dos colores. Alors, la fiche technique, si vous la prenez, elle est là, c'était le B ici. Avec le point d'araignée surjeté, donc on dit qu'on fait trois tours, on verra si on les fait ou pas, avec cette couleur. Por empezar, es el color 3860,
Just to start, this is the first color, and after we will change the color. But the first one is 3860, and after 778. Donc vous avez vu ensuite, vous pouvez préparer vos deux aiguillés. Hein. Il y aura deux couleurs. Después podemos vamos a abordar con el otro color. C'est une araignée qu'on a vue au dernier SAL. Non, le SAL roulotte, c'était un point d'araignée surjeté, Anne-Laure, qu'on a vu en début de semaine. Ouais, c'est ça. Oh là là, moi, je m'y perds. Hein. Heureusement que vous êtes là parce que c'est compliqué pour moi. Alors, on y va. Vous, je bois un petit coup de thé et je suis à vous. Si vous avez préparé votre fil, on attaque. Il va être un petit peu long celui-ci aussi. Je me mets là. Donc, vous préparez. Donc, il va vous permettre aussi de remplir des surfaces. Hein, which allow you to file circle. And this is un punto también que te permitirá de completar los círculos. Sur l'arrière, un fil double, hein, toujours. Un hilo doble et one thread double. Donc, je sors. Je crois que j'ai repiqué dans le même. Non, il ne s'est pas défait. Alors, vous avez besoin ici d'un nombre pair ou impair. C'est exactement la même chose. Donc, c'est à vous de voir. Plus il y en a, plus c'est joli. Plus vous aurez un joli rendu. To embroider, you need an odd or even number of straight stitches. Para abordarlo, necesita un número par. Or impar, pero con muchos puntos lanzados es mejor. Alors, on pique au milieu et on ressort presque de l'autre. Alors, attendez, hop, je me mets là pour les gauchères. On fait nos points lancés. Vamos a abordar todos los puntos primero lanzados. Voilà, Abigail, 9 ans, ouais, elle brode, c'est top, hein. Hop, il s'endort carrément. Mais toi, tu descends trop bas, par contre. Et toi, tu descends trop bas, par contre. Voilà. Et vous piquez au centre. And you go down in the center. Je vais couper mon fil qui me gêne juste avant. Excusez-moi. Hop, voilà. Alors, vous vous souvenez hier, hein, de lundi, c'était lundi. Vous allez pour l'instant sortir au plus près du centre, hein, à gauche d'un point. Donc là, je sors à gauche de ce point-là. You emerge the needle as close as possible to the center on the left side of one stitch. Ouais, il réfléchit sur un morceau de guitare. And salir la aguja al lado del centro y a la izquierda de este punto. Alors, j'ai vu que vous aviez bien compris. Vous aviez mieux compris le mouvement avec mes doigts. Donc, on va mettre la main comme ceci. Voilà. On va enlever de la profondeur. Et voilà ce qu'on va faire. Donc, on va sortir notre aiguille ici. Pour les gauchères, c'est pas mal de laisser, Karim. Je pense que ça va les aider aussi pour comprendre. Voilà. Salir la aguja por aquí. Ok, et vous allez donc vous allez passer au-dessus de ce point. You pass the needle over this point, over this stitch. Pasa la aguja por encima de este punto
et vous allez glisser dessous la première et dessous la suivante pour enrouler celui-ci, passer dessous et dessus. OK? You pass the needle. Alors, on va là. Above this stitch, then slide the needle below and under the next stitch. It means under two stitch. One, two. One, two. Et en espagnol, pasamos la aguja por encima de este punto, luego deslice la aguja por debajo de este y del siguiente, es decir, por debajo de uno, dos. De uno, dos. OK, vous avez compris? Super description des points, ouais. un petit café pour Karim, si je vous assure, si vous le voyez, il est comme ça, là, il est sur l'écran. Pour réfléchir. Alors, on y va. Allez, vamos. Hop. Je rapproche. Un petit peu de zoom, s'il te plaît. Il faudra le faire avec un fil autour des doigts, ce sera encore plus facile à montrer. Sylvie, ok, je vais essayer après. Mais là, on y va avec les fils. Donc, je passe au-dessus et dessous les deux suivants. Au-dessus et dessous les deux. Et vous vous souvenez, vous tirez vers l'extérieur et vous revenez vers l'intérieur. What is very important is to pull to outside. Les gauchères. Les gauchères ne voient plus. On y va, les gauchères. Elles voient là. Elles ne voient pas? Hein, on fait ce mouvement-là en veillant que les points se mettent bien les uns hop, à côté des autres. You make sure that stitches remain side by side. And to do this, you need to pull the thread outwards, then towards you. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Asegúrese que los puntos permanecerán uno al lado del otro. Ah, j'ai pas changé la couleur. On va changer la couleur. Y para hacer esto, tire el hilo hacia afuera y luego hacia usted. Et nous allons changer de couleur. Et vamos a cambiar de color. Alors, quand vous avez envie, cuando quieres cambiar de color, when you want to change the color, just go down over the last one. Donc, vous piquez en arrière, juste autour du dernier. Vous changez de fil. Je bloque. Solamente fixar el hilo, just slide between the previous stitches. Vous coupez. J'ai un autre fil d'une autre couleur. Y con el otro color. Vous sortez à l'endroit où vous avez envie, ça n'a aucune importance en fait. Hein. Attendez, hop, on a besoin de netteté un peu, Karim, stop. Vous allez bloquer votre fil sur l'arrière de la toile et vous pouvez salir au même, sortir au même endroit ou à un autre endroit. Ça n'a pas d'importance en fait. Puedes salir a la misma plaza ou una plaza diferente. Es igual. You can emerge your needle on the same place you stop. The next one, the previous one, or another place. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et vous tournez. Vous avez vu que je brode avec l'autre pointe, le chat de l'aiguille, hein.
C'est Charabia Malika. Reculer d'une branche et ensuite deux branches en dessous en même temps, reculer d'une branche et continuer. C'est ça. Et vice versa. Ah, voilà, il chante, ça y est. C'est bon pour tout le monde? Is it okay for everybody? Est-ce ok para todas? On n'a personne qui parle en anglais encore aujourd'hui, hein, je crois. Ou alors, elle n'ose pas. Hop. Et on tourne. And you continue. In the same way. On a une question de Sylvie, une petite question de Stéphane, les points de Palestrina sont écrasés durant mon cercle. Ouais, alors ils vont reprendre forme après quand vous allez mouiller votre toile. Sinon, c'est vrai, il vaut mieux éviter de mettre le cercle dessus ou alors vous mettez un petit biais. Sur le contour de votre cercle, vous enroulez. Moi, je ne le fais pas. Mais ils reviennent. Enfin, je vais vous montrer. Moi, ma pochette, elle a été lavée plusieurs fois. Et ils se remettent en place. Si, it's OK. Anne-Marie, OK. Après, si vraiment vous êtes embêté, bon là on suit les lives avec des étapes, mais c'est vrai que de manière générale, tous les points avec du relief, il vaut mieux les garder pour la fin. Je le fais pas moi, hein, mais pourquoi tu ris? Parce que je dis qu'il faut faire et que je fais pas. Moi je dis chacun fait comme il peut, hein. Vous avez vu, donc on tourne jusqu'au deuxième tour, jusqu'à la fin du cercle en fait, hein, jusqu'à ce qu'on ne voit plus trop les fils. So you turn until you can see the previous straight stitches and continua de esta manera hasta que no podemos ver más los puntos aquí marrón. Puis vous allez voir, hein, au bout d'un moment, ça devient difficile de passer l'aiguille. Hop, j'ai du mal avec les gauchères là aujourd'hui. Hein. On continue de tourner. Et vous avez vu mes doigts, je les place hein, les uns à côté des autres. Regardez, je tire comme ça et puis je reviens. Hein. Et si on fait un gros, gros plan, regardez. On peut avoir de la netteté. Stop. Attendez, j'arrête parce que l'appareil photo bouge. Vous voyez, j'ai plus de commentaires. C'est normal, il n'y a peut-être plus de commentaires là. Donc, on va continuer encore un tout petit peu, mais vous avez vu, j'ai quelques points qui sont plus grands que les autres, mais ils vont être cachés après avec un petit point de chaînette. Hein. Tengo punto marrón más grande, pero al final con el punto de cadeneta en el contorno, no vamos a ver. On fait comme on peut. Oh bah ouais, Sandrine, le but, c'est de se faire plaisir. Hein. Oh. Gracias, Dulce. Mettre du sopalin plié entre le tissu et le cercle, ça marche bien. Oh, j'adore, vous vous filez vos tuyaux, tranquillou. Bah voilà. On bosse, on bosse. Mais je les avais perdus, les commentaires. Hein. On les perd aujourd'hui, les commentaires. Et ils reviennent. Bah, je les fais revenir. Attention, t'es pas centré. Vous voyez, je vais essayer de passer encore une ou deux fois. I'm going to pass just
one last time. J'essaye de couvrir au maximum les points. Ouais, c'est joli. Puis vous pourriez même mettre plusieurs couleurs, hein. Plus ils sont grands et... Hop. Allez, je pense que ça commence à être difficile. Hein. It's become difficult to pass. Tengo pequeño problema para pasar más. Oui, vous tirez toujours le fil vers le haut. Celui d'avant, j'ai fait un dessous et un dessous. Oui, c'est ça, François. C'était le point d'araignée ici. Un dessus, un dessous. Un dessus, un dessous. Et là, ça ne fait pas du tout le même effet. Ce sont deux points différents. Alors, je vais arrêter là parce que je vais essayer d'aller jusque-là. I'm going to try to go just over there. Me voy a traer de rematar por aquí. Parce qu'il ne faut pas trop les tasser non plus, sinon ça ne va pas être joli. Allez, el último. Et donc, pour finir, eh ben, je vais piquer à l'endroit où je suis. Just go down at the place you are. And vamos por detrás la tela al final y rematar. Hop, j'enlève le zoom parce que là, il y en a trop. On fait une petite netteté. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Is it OK for everybody? Est-ce OK para todas? Regardez avec le petit point derrière, comme ça va être joli. Un petit point, oops, je me mets là. Un petit point de chaînette autour. Ça cache les petites imperfections. OK? Allez, on passe au point suivant maintenant. On a fait ça, ben, je crois que c'est le dernier point, mais je voulais en voir un quand même avant. C'est le point avant surjeté. Donc, c'est tout simple. Hein. On va faire ce petit point qui est là, ici. Ah oui, il y avait le petit point de croix aussi. Alors, le point avant surjeté, c'est du 223. Es el color. This is the color. Et on va le surjeter ensuite avec ce bleu-là. Vamos a rebordar con este color. So, primero este color. D'abord la couleur de 223. First, the color 223. Muy bien, Anna. OK, OK. Alors, moi, je n'ai pas enfilé mes fils. J'ai perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Alors, on a dit 223, c'est du rose. Ah, si, j'en ai du rose. Et ensuite, il faudra que je prenne une autre couleur. Je ne vais pas faire la totalité, hein, mais je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous allez, je remonte ici. Karim va nous faire un peu de netteté et mettre le gauche, côté gauche. OK. Alors, je bloque mon fil. I'm going to block my thread. Just bloquear el hilo. Alors, je me place bien. OK. Je ne vais pas pouvoir voir la fin du SL. Ma maman va sortir de chez son coiffeur. Elle va venir attendre son amour chez moi. 59 ans de mariage. C'est beau ça, Malika. C'est cool. Eh bien, à la prochaine. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Merci de votre confiance, Malika. Alors, vous sortez, vous piquez en respectant les dessins. You go down and emerge following the draw. Pinchar y salir. Siguiendo
Elle du bourreau. Serait-ce aussi le point appelé mirliton? Pas tout à fait, mais c'est un peu la même chose. Hein. Ça reste une série de points avant Myriam et on les rebrode de manière différente. Celui-ci, on l'appelle le point avant surjeté. The Last Running Stitch and El Punto de Ilban Rebordado. Je n'ai pas pris mes modèles avec moi là parce qu'on n'est pas à la maison, mais le point de mirliton, il est brodé autrement. En fait, on fait une ligne en haut, une ligne en bas et on passe dans les points, sous chacun des points. Voilà. Donc, vous allez faire tout le contour. Ah, Prudence, mon prénom est Prudence. C'est vrai. C'est joli, Prudence, mais waouh. Il faut porter ça. Prudence, Prudence. C'est original, en tout cas, si c'est vrai. C'est chez vous, car l'image est excellente. Ouais, Sylvie, elle est bonne, l'image, hein, aujourd'hui. Enfin, d'ici, elle est top. Hein. Bon, Karine fait bien son travail. Il dort pas. Je regarde au-dessus de l'écran. Hop, hop, hop. Ah, la triche, t'en fais plein en même temps. Ouais. Bye bye, Brigitte, à la prochaine. Allez, on arrête là. Je voulais juste prendre l'angle pour vous montrer comment faire. On arrête. Je glisse dessous. Je passe sous les points précédemment brodés. Et je coupe. Allez, j'arrête, finirai en replay. Merci, je vais commander tissu et fil car j'arrive pas avec mes perles et mon dessin transféré. Et avec une toile imprimée, c'est quand même plus sympa. C'est plus cher, c'est sûr, mais en tout cas, vous avez un travail plus régulier. Il pleut dehors, je suppose que ça doit mouiller le boîtier. On n'a pas de coupure quand il y a du soleil. Ben ouais. Alors, maintenant, nous allons prendre un fil. Alors, je n'ai peut-être pas le bon fil, la bonne couleur, mais on va surjeter. Vamos a rebordar con el hilo 3808. We are going to wipe this stitch with another color. Et on va rebroder avec une autre couleur. Allez, on y va. Sylvie, votre homme est très sage. Je suis d'accord avec lui. Mais oui, aujourd'hui, il est trop sage. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Sylvie dit qu'un homme ne dort jamais. Ah! Ah. L'homme est sage. Mais il est calme aujourd'hui aussi, ouais. Il doit méditer. Alors, on passe le point. Vamos a pasar dentro. Me dit mon mari, ah oui, j'avais pas lu tout. Vous sortez à gauche, salir. Alors attendez là, parce que voilà, salir a la izquierda. Vous sortez à gauche pour les droitières, les gauchères, l'inverse. Ok. Et donc avec la couleur contrastée, vous allez sortir ici et passer l'aiguille sous le premier point. So you bring up with the contrast color on the left side of the first stitch and pass under the second stitch from top to bottom. So con el color de contraste, saque la aguja a la izquierda del primer punto y salir después. Y pasar después dentro el segundo punto de la derecha a izquierda y luego debajo. Ça, c'est facile. Et alors, j'adore. Hein, c'est super simple à faire. Et vous allez répéter comme ça jusqu'à la fin de la ligne. And you repeat to the end of the line. En repite hasta el final de la linea. Mais on va prendre l'angle aussi.
si on veut remonter. Hop, on remonte. Donc, je suis là, je tourne. Alors, moi, je passe directement sous l'autre. Pasamos dentro directamente el siguiente. And I pass directly on the other line. Et vous continuez comme ceci. Bon dia, Mariluz. Je continue à écouter au cas où j'ai la guitare et le chant. Ouais, il n'est pas motivé, hein. Pourquoi t'es pas motivé? J'ai du mal à dormir. Allez. So you just continue on with the same way, ok? Alors, vous allez passer sous les fils à l'arrière de la toile. Précédemment brodé. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est le dernier point, c'est la petite roue festonnée, parce qu'on a vu la demi-roue festonnée la dernière fois, mais on n'a pas vu la roue festonnée. Alors, on va faire un point là, sur le travail sur ces deux lignes-là. Alors, ok, pour ce petit carré-là, donc on est ok, hein, on l'a vu, il y a un petit point de tige ensuite sur tout le contour. Tenemos un punto de... un punto de... Oh, je ne l'ai plus. Point de tige. Oh, punto acheté, ça c'est en portugais. Punto de tallo en el contorno. Vous voyez, là, vous allez finir avec votre petit point... avant rebrodé, el punto de hilvan rebordado, the running laced stitch, all in the outside. Ici, vous aurez des petites fleurs à broder, lazy daisy stitch with the French knot. Vous faites vos points de bouclette et vos points de nœud par-dessus. Primero el punto de flor, después el punto de nœud. Corinne, on like, j'ai pas vu, il manque des likes. Ouais, likez. Donne-nous un petit objectif, Namour. Bon, on me fait la grimace. Il n'est pas rigolo aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on va voir? Ah si, ici, regardez. Là, c'est le point de chausson rebrodé. Alors, c'est un point de chausson d'abord qu'on a déjà vu. Et puis, on fait une petite croix par-dessus. Es un punto de escapulario comme el primero de la etapa aquí, pero con un punto de cruz. Ok? Donc, vous allez après faire votre petit point de croix, c'est tout bête, hein, ça. Voilà, moi, ce que je vais vous montrer, c'est cette petite roue festonnée. Just here, this is an Eric Bond stitch. Then after, you make a cross stitch on each intersection. Alors, vous allez prendre la toile blanche. Ahora, la tela blanca, the white fabric. Et nous allons faire un petit point de une roue festonnée plutôt. So you are going to make the buttonhole well and vamos a ver la rueda festonada. Alors, vous sortez, salir la aguja, immerge the needle on the outline, just go down very close. Just to fix the thread. Vous passez à travers la boucle. J'avais fait un tout petit nœud avant que je défrais tout à l'heure, que je couperai. Alors, je me mets bien ici. Le fil, oups, ici, sous le pouce. Alors, Pascal, ce tissu n'a aucune tenue. Oh, Pascal, elle n'est pas contente. Perso, j'ai beaucoup de mal avec. Je l'ai stabilisé de l'arrière. Il faut me dire que c'est le même que le blanc. Et il ne faut pas me dire que c'est le même que le blanc, c'est faux. Bref, pour certains points, c'est galère. Alors, Pascal, je n'ai pas l'habitude de dire des trucs faux. C'est exactement la même composition. C'est du métis, 50% coton, 50% lin. Il est un peu plus raide que l'autre parce qu'il y a un après. Mais c'est exactement la même composition. Et je vous dis que c'est vrai. Voilà. Mais si vous trouvez une toile plus sympa, utilisez-la. Il n'y a pas de souci.
Alors, pour le tissu blanc, vaut-il mieux l'appliquer d'abord et faire les festons ensuite? Moi, je brode et j'applique après. Tenemos una pregunta para saber cómo hacer. ¿Es mejor para mí de bordar primero las telas blancas, la tela blanca, y después de aplicar? Voilà. Alors, vous piquez au milieu, you go down on the center, et vous sortez juste à côté du point. Odile, Véronique. Ah, Odile, coucou. Alors, amidonner votre toile peut-être. Je ne sais pas, il n'y a pas besoin de l'amidonner, c'est pas du tout, je ne comprends pas que vous puissiez dire que c'est une galère. C'est la même toile sur laquelle sont faits tous nos modèles de 3B-COM en 15 cm. C'est la même toile aussi que nous utilisons sur les cahiers de broderie. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et on avance, on tourne. Pinchar siempre en el centro y salir en el círculo, en el contorno, and always go down on the center and emerge on the outline. Alors, vous vous souvenez, hein, on tire au ras de la toile. Hein. You pull close the fabric, never to the top. Y tiras al lado de la tela para ti. Mira, como este, nunca por arriba. Comme ceci. Alors, pour le dernier point, por el último punto, for the last one, vous sortez exactement, hop, pardon, à l'endroit où vous avez commencé. You just emerge at the first, on the hole of the first stitch. Merci, les toiles sont parfaites. Non, après, je peux comprendre, hein, mais... Il y a des dames qui aiment moins, mais c'est pas faux ce que je dis. Voilà, c'est tout. qu'est-ce que j'ai dit? Y salir la aguja en el mismo orificio del primero punto. Allez, et vous piquez pour finir entre le premier et le dernier point. And you go down on the first and the second stitch. And por rematar, pinchar dentro el primero et el segundo punto. Je vais vous dire, Martine, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez faire. Donc, vous allez maintenant glisser sous les points. Comme ceci et couper. Voilà. Alors, pour la suite, vous allez, d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose. Vamos a ver por el otro tronzo de tela, and we are going to see for this one. Et après, je vous explique comment est-ce qu'on fait. Ici, vous allez commencer par faire vos points de nœud. Puis, quand vous aurez fini vos points de nœud, vous allez commencer par le point de chaînette. Primero el punto de cadeneta. First, the chain stitch. Et vous allez ensuite faire vos points de nœud. Then, French knot. Después, los puntos de nudos. Et ensuite, vous allez faire vos points de poste. Then, bullion stitch and rococo punto. Ensuite, vous allez donc couper la toile. Alors, regardez, on a toujours ici, là, donc c'est notre petite partie, là, avec le tissu. Donc, ce que vous allez faire, vous allez couper à chaque fois sur le trait continu. Vous voyez, c'est marqué trait
continue extérieur, trait de coupe. Continue outline line, the line cutting line. And son las líneas para cortar. Aquí. Alors, vous allez couper sur les lignes. Comme ceci. Mais oui, il faut lire, on met tout, on essaye. Il nous arrive de faire des erreurs. Hein. Mais si vous lisez à peu près correctement, si vous prenez le temps en tout cas, vous avez toutes les informations. Voilà. Ensuite, moi, j'ai pas ce qu'il faut ici, hein, mais vous allez faire un petit rentré de 5 mm. Alors, attendez, je crois, hein, c'est ça. Ici, faire un rentré de 0,5 et l'appliquer au point avant 223. So, alors, en espagnol, je sais, pienso que es un pequeño, comment on dit, un pli. Annie, si vous pouvez nous aider. Necesitamos de hacer un pli de 0,5 centímetro. No sé cómo se dice en español. And you just need to make a fold. Alors, vous allez le tracer avec un stylo. Moi, je me mets là. Hop, 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 sous la caméra. Tu peux faire de la netteté, Karine, stop. Depuis l'école primaire, on nous dit de lire les consignes avant de commencer. Je suis mal placée pour vous dire ça. Hein. Moi, je lis rien. Et à chaque fois, c'est trop tard. Alors, vous allez faire votre petit rentré, comme ceci. Le mieux, c'est de le tracer. Hein. Ce sera mieux. Hein. Et vous le repassez. So, you can, puedes dibujar hein, la distancia. Vous faites vos deux plis. Vous pliez ici les 0,5 aussi. Vous regardez si vous êtes bien. Voilà. Vous voyez, j'ai encore la distance en 0,5. Tenemos la distancia por aquí. Et le mieux, c'est avec du fil à coudre de bâtir. Vous faites déjà des points pour bien les fixer. Es necesario de piegar. Si, piegar a 0,5 milímetro. Pardon, je regardais sur la fiche technique et pas sur la toile. Bah ouais, c'est pas évident de savoir non plus, Martine, où sont les infos. Hein. Et vous allez donc ici l'appliquer. Vous faites des grands points ou bien vous pouvez fixer. Regardez, on peut faire ça. Je ne sais pas ce qu'il faut ici, mais puedes utilizar un hilo. D'abord une aiguille, peut-être, pour bien le fixer comme ceci. Voyez. Primero, para fixar, just make few big stitches. Es mejor de utilizar una plancha también. Hein? N'oubliez pas le fer à repasser. Moi, j'en ai pas ici. Hein? Voilà. Et là, votre petit rectangle, là, il est bien appliqué. Et ensuite, donc, avec la couleur, c'est quelle couleur? Con el color, faire le rentrer, 223, c'est du rose. Voilà. Vous allez faire vos petits points avant. Alors, soit vous les dessinez avant. Puedes dibujar primero. Ça peut vous aider. Vous voyez, vous faites vos petits points. Comme ça, vous repartez. Et comme ça, vous serez sûr d'être régulière sur tout le tour. OK? En todo el contorno, you can draw the outline of running stitch if it's better for you. Voilà. Et puis, vous allez, bah, je ne vais pas le faire là maintenant, mais vous allez faire vos petits points avant sur tout le tour. Alors, voyez là, ce n'est pas très joli. Ils n'ont pas été bien faits. Hein. L'angle, essayez d'arriver sur la même ligne. Aquí no es bueno, pero es mejor de arribar
Por aquí, juste sur la ligne. Voilà, doblar, plier, Cathy, piegar et italien, excusez-moi. Dibujarlo, doblar para hacer y plieguer. Primero las líneas horizontales y después las verticales. Planchar y fijarlo con hilo normal con grandes puntadas. Merci Annie, c'est super gentil d'avoir traduit. Le 9, vous laissez sur les yeux, bon, je vous laisse répondre. Là, vous êtes sur les assortiments d'aiguilles, hein, je crois. Voilà Karim, tu peux me remettre en non, peut-être pas en gros plan parce que juste avant de vous quitter, je voulais vous montrer les quelques t-shirts, je ne les ai pas tous encore, mais en tout cas, je voulais vous montrer comment ça se passe. Solamente una pequeña demonstración por los t-shirts. I just want to show you how you can make the customization. Alors, dans les kits, j'en ai pas avec moi, vous aurez ce petit patch, merci. Donc, vous voyez, vous le décollez. Inside the kit, you have the draw. On décolle comme ceci. On le colle à l'endroit où on veut. Hop, je me mets ici. Je vais enlever un petit peu de... Ouais, je vais enlever du zoom. Ouais, voilà. Et ensuite, c'est tout simple. Hein, vous placez votre cercle. On fera peut-être un petit live là-dessus si vous avez envie, une petite démo. Et vous commencez à broder avec la fiche technique qui sera dans le kit. Et lorsque, voilà, ça se passe tout simplement, lorsque vous enlevez votre, lorsque vous trempez dans l'eau, ben la petite toile, elle disparaît. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer donc les petits modèles. Une question de Marie. Oui. Elle s'inquiète. Marie nous a posé une question. Elle a déjà cousu les toiles. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout, Marie. Vous pouvez rebroder. Ben, vous allez prendre l'autre toile en même temps. C'est pas un problème. Vous inquiétez pas. Oui, un petit live démo pour les patchwork. Et alors, je vous en montre quelques-uns. Je ne les ai pas tous, mais voilà. Aujourd'hui, on avait celui-ci. Alors, peut-être que je vais faire un zoom. Quand est-ce qu'on va pouvoir les acheter? La semaine prochaine, la proxima semana. C'est un peu gros, là, le zoom. Voilà. Ça, c'est celui de la petite montagne. Oui, en même temps, Esther, pour les vestes et pour les converses. Là, c'est le petit chat. Et vous voyez, là, ça a disparu complètement. On ne voit plus rien. Hein. Je les passe à la machine sur un petit programme. Enfin, je les ai lavés à 30. On peut les mettre avec moi. On peut... Voilà, ça part bien. Combien de tours pour le point de poste de la fleur? Oh, je ne sais pas trop. Mais de quoi couvrir hein, le... Vous m'en posez des questions, les filles. Hein. Oh, je ne sais pas. Il y en a bien 10 au moins. Hein. Après passage dans l'eau, l'endroit où il y avait le tissu soluble ne se durcit pas. Non, regardez, c'est nickel. Mais moi, je les ai passés à la machine. Voilà, j'ai ma petite matrioshka. Oh, celui-ci, c'est celui Craig qui a mangé. Si je vous le montre, il est terrible, regardez. The Reiki Dog. I love the Reiki Dog. Voilà, ça c'est le petit cactus. Qu'est-ce que j'ai amené? J'ai amené le petit oiseau ici. Voilà, il en reste... Ah, celui-là, je l'adore. On ne le voit pas bien peut-être, mais il est juste magnifique avec les couleurs. Voilà, 10-12, voilà. Et le dernier, celui-là aussi, je l'adore. Il est lumineux pour le printemps. C'est un petit soleil. Voilà, donc tout ça, c'est rendez-vous, ce sera dispo la semaine prochaine. Merci à vous, merci à toutes, muchas gracias. Todos los modelos de customización disponibles por la próxima semana. Je vous embrasse bien fort. Nous attendons Jeux interdits à la guitare. Ah. Voilà, c'est fini. Il est temps qu'on aille dormir, nous, hein, maintenant. Bon, la prochaine fois, il y aura peut-être plus de notes, c'est tout. Oh, et ça suffit. Ah, ah, vous en demandez beaucoup, je trouve. Un mercredi, prenez bien soin de vous. And cuidade, thank you very much for everything. And see you next week. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Allez, ciao. Beso a todas. Ciao, ciao.